Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite et fin de la rétrospective sur les avions militaires Saab. Après les B-17, Lansen et autres Saab 105, nous allons évoquer le fameux Viggen et le Gripen que la Suisse a évalué en 2008. Ces images nous ont été aimablement fournies par le constructeur suédois. On boucle sa ceinture et on y va! En 1963, l'armée suédoise émet une demande pour un avion capable de remplacer à la fois le Saab 32 Lansen et le Saab 35 Draken. C'est la naissance du projet Saab 37 Viggen ou Tonnerre. Le nouvel avion devra pouvoir voler à Mach 1 à basse altitude ou à Mach 2 en haute altitude. Le premier des 7 prototypes du Saab 37 décolle en 1967. L'avion est dès le départ conçu pour pouvoir être entretenu par des réservistes de l'armée peu entraînés. 5 versions du Saab Viggen sont prévues. AJ-37 pour l'attaque au sol, SF-37 de reconnaissance, SH-37 de reconnaissance et d'attaque maritime, SK-37 biplace d'entraînement et JA-37 d'interception. Cette dernière version est motorisée par un réacteur plus puissant et embarque une avionique complètement différente des autres versions. Une commande de 175 exemplaires est signée en 1968 et les livraisons commencent en 1971. Au milieu des années 70, une série d'accidents implique les Saab Viggen, la faute à une aile trop fragile. Les modèles les plus anciens sont renvoyés en usine pour subir des modifications. Doté d'un dispositif de contrôle automatique, de la vitesse et d'inverseur de poussée, le Saab Viggen possède une caractéristique étonnante. Il est capable d'atterrir sur une piste de 500 mètres à peine, puis de reculer et enfin de redécoller sur 400 mètres. Particulièrement bruyant, il constitue néanmoins une attraction très attendue lors de meetings aériens. Le Saab Viggen reste en service une trentaine d'années au total, subissant des cures de jouvence pour conserver ses capacités offensives. En 1993 et 1996, une centaine d'exemplaires sont modifiés en AJS-37 pour pouvoir tirer des armes conçues pour le Saab Gripen. Le Viggen n'est plus en service opérationnel en Suède. Il a été retiré du service et remplacé par le Gripen dans les forces aériennes suédoises. À la fin des années 70, la Suède commence à réfléchir à un nouvel avion de combat.
Après avoir envisagé l'achat de machines américaines comme le F-16 ou le F-18, elle décide de proposer un cahier des charges aux industries nationales. En 1981, le commandement des forces suédoises recommande au gouvernement le développement du projet Saab 2110. Les autorités donnent leur feu vert une année plus tard. Le développement du futur Saab 39 Gripen ou Griffon prend du retard, ce qui manque d'annuler purement et simplement le programme. Le premier prototype décolle le 9 décembre 1988, mais est gravement endommagé lors d'un atterrissage 2 mois plus tard. Les commandes électriques de l'avion sont mises en cause. Le défaut est corrigé et le deuxième des 5 prototypes prend son envol en 1990. La version biplace YAS 39B est mise à l'étude en 1992, alors que la Suède a déjà commandé 110 exemplaires du Gripen. Le Gripen est la première génération d'avions multirôles à être opérationnel. C'est le successeur direct du Viggen. Et c'est un chasseur léger très très économique. Fighter aircraft, which is very, very cost effective. Le premier avion de série décolle en mai 1993, mais s'écrase à son tour. Une fois de plus, les commandes électriques de l'appareil sont incriminées. Tous les Gripen sont cloués au sol, le temps de remédier à la panne. Le premier biplace, YAS 39B, sort d'usine le 29 septembre 1995. Il est allongé de 67 cm par rapport au monoplace, mais il est dépourvu de canon. Un modèle amélioré du monoplace, le YAS 39A, est livré en 1996, alors qu'une série C encore plus performante est déjà commandée. La version YAS 39C dispose d'une perche de ravitaillement en vol, d'un tableau de bord modernisé, d'un nouveau système de navigation et d'un réacteur contrôlé électroniquement. Le Gripen NG, ou démo, très amélioré, effectue son premier vol le 27 mai 2008. Il est équipé d'un réacteur General Electric F414G, ce qui lui permet d'atteindre la supercroisière. En d'autres termes, il est capable de voler à une vitesse supersonique sans utiliser la post-combustion. Pour ce faire, il possède des entrées d'air agrandies. En plus d'un nouveau radar électronique, le Gripen NG est doté d'un détecteur infrarouge, un système de communication par satellite et de nouveaux appareils de guerre électroniques. Le train d'atterrissage du Gripen NG a été déplacé de manière à augmenter sa capacité de carburant et à permettre l'emport de 2 charges supplémentaires. Le Gripen est le premier avion de Saab à connaître un réel succès à l'exportation. Outre la Suède, la Hongrie, la République tchèque, l'Afrique du Sud et la Thaïlande en sont équipés. Parmi les pays qui sont les plus intéressés au Gripen, on peut citer le Danemark, le Brésil, l'Inde, la Roumanie, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Croatie et évidemment la Suisse. Aux Suisses, je dirais qu'avec le Gripen, la Suisse peut obtenir la solution de remplacement du Tiger la plus économique et la plus adaptée. C'est un système éprouvé avec plus de 100 000 heures de vol qui s'adapte parfaitement dans l'environnement suisse. Avec le Gripen, les Suédois ont de quoi séduire la Suisse. L'avion est capable d'accomplir aussi bien des missions de chasse que d'attaque ou de reconnaissance. Son prix d'environ 30 millions de dollars en version de base en fait l'un des avions de chasse les plus abordables du marché.
Avec son envergure réduite, il peut se ranger facilement dans des hangars ou des cavernes. Capable de décoller sur une route de 800 mètres de long, il dispose d'un système d'armes presque aussi efficace que celui des avions concurrents. Enfin, le Gripen est le moins bruyant des avions candidats au remplacement du Tiger. En août 2010, le Conseil fédéral a décidé de remettre à plus tard l'achat d'un nouvel avion de combat. D'ici 2015, au plus tard, un nouvel appel d'offres sera lancé. Nul doute que le Gripen refera parler de lui en Suisse dans les années à venir. On ne pouvait pas finir cette émission sans un petit hommage à un hélicoptère d'exception, l'Alouette 3. L'Alouette 3 a été conçue en 1959 et a équipé nos forces aériennes dès 1964. Elle est connue pour sa puissance et sa visibilité et a servi de mulet volant et a permis de faire plein de sauvetages dans notre région. Mais pour l'Alouette, l'heure de la retraite a sonné. Elles seront définitivement retirées du service dès la fin 2010. C'est parti pour une séquence nostalgie à bord de cet hélicoptère de légende. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, recommandation habituelle de prudence, ne forcez pas le destin et souvenez-vous que l'aviation est le moyen de transport le plus rapide si vous n'êtes pas pressé. À bientôt!